Est-ce que vous voulez une story live chaos dressing on n'en voit pas le bout, mais en fait on va réussir à en voir le bout. Mais est-ce que vous voulez voir un peu? Voilà. Voilà où on en est actuellement, jeudi 15h44. C'est ça. Mais ce soir, ça sera parfaitement rangé dans l'armoire, on vous montrera. À toutes. Hello tout le monde, comme convenu, je vous fais un petit retour sur le dressing que j'ai pas pu filmer la semaine dernière. Donc je vais vous montrer ça. On commence par l'espace étagère. Et alors tout là-haut, nous avons mis tous les suites, capuchonnons. Et là, en hauteur, puisque c'est l'hiver, on a fait deux petites panières avec tous les shorts qu'on a étiquetés. On redescend, on a les pulls, donc évidemment classés par couleur, sinon c'est pas rigolo. Et enfin, un des trucs que je préfère, les pantalons et les jeans. Donc les pantalons, pliage vertical, parce que empiler les uns sur les autres, ça n'allait pas. On n'arrivait pas à bien voir, c'était pas lisible ce qu'il y avait dans ce placard. Et les jeans, même combat. Donc bon, on peut quand même facilement identifier ce qui est plié. Voilà pour l'espace étagère. On passe maintenant à la partie gauche penderie du placard. Voilà, pour une vue d'ensemble. Donc vous constaterez que, là encore, on a fait une organisation par couleur. Rose, rouge, jaune, orangé, vert, bleu, bleu marine. Là on descend, blanc, bleu ciel, les marrons, les gris. Pour finir avec les noirs. On a évidemment changé tous les cintres pour mettre des cintres identiques. Et là, on a fait le choix de mixer robe et chemisier pour avoir un beau rainbow. Et ce sera facile d'accéder à ses affaires avec un petit bras télescopique. C'est une petite perche qui permet de choper les cintres. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que ça vous plaît ? Voilà pour la première partie du dressing, donc le dressing féminin de cette famille. Et si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à partager Just Organization. À très vite. Et j'ai évidemment oublié de vous montrer l'espace tiroir, qu'on peut quand même pas négliger parce que c'est assez sublime. Donc on a les t-shirts, manches courtes, manches longues, sans manches, par couleur toujours. Là, les petits pulls fins. Voilà. Les petits tops aussi. En dessous, les affaires de sport. Donc, les brassières avec les brassières, les leggings avec les leggings, les jogging, les accessoires, les t-shirts, voilà. Et enfin, on finit par les maillots. Une pièce, deux pièces. Et ici, l'espace pour ajouter, on ne sait pas quoi encore, mais on verra.